J'ai choisi le DCG par rapport à mon plan de carrière, donc c'est soit devenir contrôleuse de gestion, soit responsable administrative et financière. Je souhaitais creuser un peu plus le domaine de comptabilité, de gestion, pour éventuellement me mettre plus tard en tant que consultante. J'ai envisagé un DCG pour repartir en cabinet comptable. Les cours étaient en adéquation avec ce qu'on nous demande au DCG. Ce qui est très bien, c'est à la fin de chaque chapitre, les petits QCM qui permettent vraiment de faire le point sur ce que l'on a mémorisé. Je trouve que les cours, ils sont très bien expliqués. Ils abordent des sujets clés, même essentiels, et il y a de très bons résumés. J'ai passé mes épreuves en travaillant avec les documents de l'EFC et j'ai pas du tout été surprise des questions qu'on a pu me poser. Les classeurs sont relativement bien faits pour justement trouver nos réponses à nos questions. Les cours de l'EFC sont directement applicables en milieu professionnel. En fait, il faut s'en servir comme base d'analyse. Le fait de passer un DCG a été fort apprécié. Les cours vont me permettre d'accéder à des postes plus complets, plus variés. Les cours de l'EFC sont bien adaptés pour pouvoir analyser ce qui se passe dans le monde réel. Si je rencontrais une personne qui était intéressée par la comptabilité, je lui proposerais l'EFC. J'ai déjà conseillé une amie qui s'est inscrite à l'EFC pour passer des formations. Quand on a un coup de mou ou voilà, quelque chose qui ne va pas bien, on a des gens sur qui on peut compter en fait. J'ai toujours été très bien accueillie, très bien conseillée. Même si c'est une formation à distance, on est quand même. Enfin, épaulé, enfin, on est quand même cadré. Je pense que ce qui a été mis en fait au cœur de l'EFC, c'est voilà, la valeur humaine, les relations, et ça, c'est important.